Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée Tu reprendras bien un peu de bœuf. On est en guerre contre l'Ottoman, quelque chose que j'apprécie particulièrement, je pense. Sans faire exprès, bon, la date a changé entre le dernier, même pas d'un, je crois, on était à la fin du mois de janvier, là on est le 3, j'ai appuyé sur la touche de la molette qui met pause, c'est un raccourci, bref. Voilà, je suis navré pour cela. Bon, on a repris Constantinople, parfait. On peut se casser maintenant. Ah, ça par contre c'est pénible. À la haie des particularistes. Bon, bah, go. Hein. On va se dépêcher. On va se dépêcher. C'est dépêcher tous ensemble. Honnêtement, je pense que. Voilà, ça sera amplement suffisant. Ça pourrait nous faire perdre le trône, ces conneries. Hein. Ah, ce petit. Voilà, et toi, à la rigueur, tu. Prends un nouveau général. Parfait. Tiens, là, il reste un peu de thunes. On va laisser l'Ottoman. Non, on va pas laisser. Ah, il est sur les îles là, mais c'est trop dangereux, ouais. Bon. Faisons le tour de l'Europe. Alors par contre, c'est une bonne nouvelle. Hop. On a besoin de quoi? Allez, passons à 8. On pourra pas aller au-dessus, donc passons à 7. Ah, l'Ottoman est là. Mais il va rembarquer, hein. Je pense pas que vous l'aurez, hein. Ah, c'est pas dit. Bah, si, t'aurais peut-être pu. Ouais, si, t'aurais peut-être pu. Voilà, on arrive ici, nous, c'est très bien. Ah, on peut prendre une doctrine. Coup d'annexion diplomatique. Ouais, je pense. On augmente bien quand même. Là, on est quand même en innovation, on est plutôt pas mal. Hein. On n'est pas à se plaindre. On n'est pas à plaindre. Voilà, on va aider les Hollandais. Le mariage ibérique. Yes! On a un super méga allié puissant maintenant contre la France. Que de bonnes nouvelles. Le Portugal refuse, c'est pas grave. Peut-être là on gagnera un peu moins d'argent. Ah, notre général ne servira plus. Évidemment, c'était le meilleur. Prends celui qui va vite et revient rapidement là-bas. Gazikoumouk est à faible. Moi, ça m'arrange. Casse-toi. Donc là, on a quoi actuellement? On a 4 light. Très bien. Tu vas protéger le commerce à la Manche ou à Bordeaux? Bordeaux. Et tu trouves plus au port en cas de pépin. Go! Bon, c'est bien. On est vraiment en train de racler tous les fonds de tiroir. Toi, on a le temps, hein, séparatiste de Lorraine. Dans 6 ans, ça devrait aller. Ouais, par contre, on participe de très peu, quoi. Hélas. Hélas pour nous. On ne pourra vraiment pas. C'est vraiment dommage, hein, qu'on puisse pas légitimer, quoi. Ah, il faut être limitrophe. Et puis lui, il peut parce que c'est limitrophe. Super, t'es revenu. Bah va là-bas. Je pense que ça, c'est une grosse province, ouais. Ça aussi, c'est une grosse province. Bon, il a faible. Tunis est à faible. Très bien, casse-toi. Voilà. Augmentons le traité de paix. Il ne mentera que Hakka Yonlu et à partir de là on pourra s'amuser. Ouais, il va falloir demander la paix prestement.
pourrait vassaliser les... Ouais, c'est la distance entre les frontières, c'est dommage. Mais libérer Byzance et les garantir. J'ai envie de libérer Byzance. On va juste attendre qu'ils aient plus de revendications là-dessus en août, donc dans un peu plus d'un an. Pendant ce temps-là, on pille, hein, c'est pas grave, hein, on vit bien avec ce remords. On a 34 de nos alliés quand même. Ah, l'Ottoman, tu veux quoi? Ah non, Médine, tu veux une paix blanche? Oui, monsieur. Là, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a encore des trucs à racler là? Je veux. Constantine, ça a 30, c'est pour ça que ça coûte cher. Mais si on libère après tout Byzance, je pense pas que ça coûte trop cher non plus. On a combien de points de faveur avec lui? On a 10. Ce que je vais faire, c'est augmenter ma faveur. Viens, reviens de là-bas, toi. Ouais, il faut être en paix et après on pourra annexer des dépendances gratos. Nickel. Tout en sachant que notre réputation diplomatique a baissé à cause de l'annexion, mais. Annexer une dépendance et ça disparaît en 4. Ok, bah, cette année quoi. Voilà, c'est bon, c'est réglé ici. On va retourner là. Là, c'est réglé. On va retourner là-bas. Et du coup, moi, ce que je voulais faire, c'est s'attirer les faveurs. Parce que je pense qu'il va pas trop aimer. Ça attire de combien par mois? Ouais, ça va. Ça va, c'est honnête. Oh. Ah, elle est pas mal celle-là, hein. Ça fera augmenter le score de guerre. On peut plus revendiquer, c'est pas grave. Bien, ça va faire augmenter le score de guerre, ça va les mettre encore plus mal qu'avant. Accueil une loot à faible. Parfait. Demandez la paix. On n'a pas de diplomate envoyé. Pourquoi on peut pas? Ah, c'est un partenaire mineur, pardon. On peut accélérer un peu le temps. Je pense qu'il n'y a pas trop de sujets. Ah, non, ils veulent pas passer encore. C'est pas grave, nous on pille. Hein, c'est... Dégommons l'Ottoman. Il doit avoir des problèmes là, l'Ottoman, peut-être d'emprunt. J'ose espérer. T'as... Bon après moi aussi, non j'ai pas d'emprunt. L'Autriche t'as des emprunts? Ouais t'as des emprunts, tu vas pas tarder à quitter la guerre. Mais toi aussi t'as des emprunts, ok. Donc pions ton truc. Ça c'est bon, on va aller là-bas. Perte de... faisons ça. C'est quand? C'est en décembre, hein, c'est ça? En août. Ah, on a des rebelles qui vont pop. En Lorraine. Dans... Ça va. Ça va. Ça va. On va même faire ça pour être tranquille un coup. Voilà. C'est vraiment pour mettre l'Ottoman au plus mal possible et imaginable. L'Autriche, je sais pas quand tu fais pour être en... Les bourgeois... Prenons l'éclair. Là, on est en retard dans les techs, je suis au courant. Lui, il a passé sa tech. Et il a changé de... C'est ça, parce que j'ai vu que son moral avait un peu baissé. Ouais, et il a changé sa tech en plein milieu de la guerre, dans le plus grand des calmes. Ok. Sur Orléanais. Ouais, c'est pas grave si tu m'aimes pas. Ah, une petite tra... Non, reviens! S'il te plaît, je voulais m'amuser avec toi. Ah, on a des provinces assiégées? Ah, vous, c'est séparatiste. Ah, c'est la nique. Voilà. On va voir ce que ça donne. Juste pour... Oui, je sais que c'est pour Byzance, mais c'est Byzance quand même, hein. Ok? C'est le dernier vestige de l'Empire romain. Donc si on peut quand même
faire quelque chose, on le fait. Non, pas tout de suite. J'aimerais bien, hein, mais... ça coûte trop cher. On n'en a pas le besoin. T'es passé tech combien? 8. On pourrait. Hein. On réfléchira tout à l'heure. On avait dit en août, hein. Attends, c'est bon. Ça ici, c'est rasé ou pas? Non, pas encore. Ça repop. Très bien. Moi, ça m'arrange. Ça me fait de l'argent gratuit. Et l'institution à pop aussi. C'est peut-être intéressant de la prendre au final. Hop. Ah. Puis oui, pourquoi pas. C'est lesquels qu'on peut rechanger? C'est les... condottières. Voilà. Merde, merde. J'ai fait de la merde. Mais ah, oh, et deux fois. Non. Oui. Non, je préfère les galéogates réformés, moi, perso. Ok. Voilà, et là, du coup, Byzance, ça donne quoi? Byzance libère... Ah, putain. Ça serait tellement épique, Byzance. On leur garantirait la paix, on ferait tout ce qu'on veut avec eux. Et on leur ferait bien mal, hein. 97%. Franchement, l'autre, il ferait la gueule. Ouais, de 20, ça serait un peu beaucoup. De 20. Ouais, mais Byzance, quoi. C'est dommage qu'on puisse pas dire... attendez, si je décide de donner ça à l'Autriche. Ok. Je veux juste voir. Pour mon calcul personnage. Effacer l'offre. Et je veux libérer... Tu accordes le truc à Byzance. Non, ça lui donnerait ça automatiquement. Ouais, mais bon, on libère Byzance, les gars. Sauf s'il y a d'autres endroits qui vont unpop. 97. 94, pardon. Ouais, non, je pense que là... C'est dommage qu'on puisse pas prendre... Ou alors... Ouais, j'y tiens, Byzance, hein, je sais, j'y tiens. Ou alors... Renonce à plusieurs dépendances, non. Rétrocession. Non, tu peux pas rétrocéder un pays qui n'existe plus, forcément. Ouais, tu rétrocèdes la Grèce. Voilà, tout le monde est content. Byzance, ça va être trop cher, en fait. Non, c'est gérable, c'est pas le propos, mais bon. Ou on attend que l'Ottoman se casse, hein. Là, que l'Autrichien se casse. Hein. Il n'est qu'un moyen, il y tient. Hein. Ah, c'est quoi ça? Bah go. Hein. Voilà, une revendication perpétuelle sur Champagne, on s'occuperait de toi après. Mais là, ça commence à faire mal. Ouais, ça va être dur. Hein. J'ai pas envie de laisser Byzance comme ça. Après, on pourrait libérer quelqu'un d'autre. Si on efface l'op et qu'on décide de libérer un truc plus petit, mais un truc qui est bien. Corfou. Ouais. Libérer Corfou, on sera bien. La Bosnie-Herzégovine. Non, ça c'est pas la peine. L'Arménie, la Grèce, Théodoros, la Géorgie, le Monténégro. Parce que là, concrètement, Byzance, on ne pourra pas les absorber. On ne pourra pas les. On va essayer de libérer la Grèce, hein. Oh, ça serait tellement stylé, Byzance, mon dieu, quoi. De toute façon, là, le score de guerre n'évolue plus. Si, il évolue encore de 4. On peut encore attendre, hein, sans malentendu.
Ouais, là je commence à être en négatif, va falloir faire attention. Mon Dieu, ça serait tellement beau. Mais il y a ça aussi, hein, c'est que les autres, ils aimeraient pas trop. Je me trompe, hein. Ah, ils perdraient 20. On réattaque. On libère un autre pays qu'on annexe, qui nous donnerait une légitimité, mais un petit pays quoi, genre, bon peut-être pas Chypre, mais... Un pays qu'on pourrait bouffer quoi. À Corfou, ça me paraît pas mal, hein. Bon après Venise serait pas trop content, mais bon. On pourrait tenter de libérer Corfou, et on se dit qu'on a 100 ans, un peu moins de 100 ans pour redéclarer la guerre à l'Ottoman. Parce que là, en fait, Byzance, on pourra pas. Oui, on va restaurer Byzance, nickel. Mais ça va, il va faire son truc dans sa vie, dans son coin. On pourra le, voilà, on pourra faire une alliance, on pourra faire tout ce qu'on veut. Mais on va perdre une alliance potentielle avec l'Autriche. Ça serait dommage. Donc, suggérer une offre. Tu proposes quoi? Bon, on donne tout à l'Autriche. Et on libère la Serbie. Ouais, mais ce serait pas. Non. Bon, réfléchissons. Si je demande juste de la thune. On peut leur mettre très cher niveau thune. Ça, c'est le premier point. Faire des revendications de guerre. Oui. Procédons. Ouais, l'humiliation, pas besoin. Les réparations de guerre, c'est où? Réparation de guerre. Voilà, on est à 35. Et là, on pourrait déjà commencer à donner des trucs à... Ah, il veut pas les réparations de guerre, c'est ça qui lui fait chier. Ok. Si je demande, du coup, tu libères la Grèce. On en libère plein de petits pour être sûr de pouvoir les vassaliser. Tu libères ça. Tu libères la Morée. Non, libère un truc. Le Liban, je m'en fous. L'Albanie. Trop gros, on ne pourra pas le vassaliser. La Valachie non plus, la Karamanie, la Serbie, la Bulgarie, Byzance, ça compte plus. C'était Corfou, si je me trompe pas. Voilà. L'autre, il est pas content. Bon. Et là, toi, on va te donner des territoires. D'accord? Ça va? Oui, ça va. Voilà. Et là, t'es content pour le moment. On peut te donner ça. Pour éviter que tout le monde tape sur l'automne, on pourrait faire ça, plutôt. Voilà, comme ça on bloque la potentielle... Ah non, c'est la Hongrie qui a récupéré ça, nickel. Bon, on bloque ça, voilà. Comme ça, on est tranquille. Mais on récupère ça, 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 et on va voir qui on va pouvoir vassaliser. C'est ça le plus important. Ensuite, tu vas me donner des réparations de guerre. Toi, t'es toujours pas content. Maintenant, tu l'es. Voilà. Donc, c'est pas aussi... Bon, on leur prend des territoires, mais l'idée, c'est soit de vassaliser Corfou, vassaliser... comment il s'appelle? Athènes. Ou vassaliser Corinthe. Ouais, de toute façon, on peut rien bouffer d'autre, hein. En libération, trop petite, on va dire. Corfou, j'espère que c'est bouffable, hein. Franchement, tu vas pas me faire chier pour 7 de dev, hein. Et Corfou, justement, ça nous permettrait de relibérer Byzance par la suite. Et ça nous ferait un point d'attache. Et là, on pourrait prendre ça et libérer la terre et libérer Byzance. Libérer un état. On peut le faire ici, pour information. Voilà. On peut pas le faire parce qu'on est en guerre, mais on peut accorder l'indépendance à un pays. Écoutez, je pense que c'est bon. Hein. De toute façon... Ok, bah parfait. On fait ça. L'autre, il est content. On s'offusque pas, on déglingue un peu, ça nous coûte un peu, mais pas tant que ça, ça nous fait gagner du prestige, ça c'est plutôt bien, un peu de démonstration de force, de l'argent, je vous rappelle qu'on a des techs à passer,
Des réparations de guerre de l'Ottoman, c'est encore mieux. Oui, t'inquiète pas, je m'en occupe. Humilier, admettre la défaite. Je regarde hein, ce qu'on pourrait pas faire de plus intéressant. Pour rétrocéder des territoires, ouais. Genre, je sais pas. Tiens, tu donnes ça à la Crimée. Hein? Ou au même look, tiens. Ah non, ça c'est annuler des revendications. Non, renonce à une province légitime. Mais ça nous coûte du point, ça m'ennuie un peu. Écoutez, on part là-dessus. C'est pas optimal. Tant pis pour Byzance, mais l'idée, bon, c'est pas l'objectif, mais avoir Byzance en tant que vassal, j'avoue que ça serait magique. Ok. Et l'autre, il est content. Et on lui met cher à l'autre. Bah parfait. Pour eux uniquement. Hein. Juste ma. On est bien d'accord, hein. Réputation diplomatique, elle est nulle, mais je vais en prendre un qui va me l'augmenter. Tiens, on va prendre celui-ci. Voilà. C'est pour être sûr à 100%. Ok, parfait. Donc on fait ça, ça, ça. Voilà, nickel. Et je sais pas, tu peux pas faire autre chose qui serait bien? Non, bon écoute, c'est déjà pas mal. Piège de la capitale peut-être, attendez. Toujours ça de gagner, hein. Et peut-être un peu moins de thunes. Et prendre des réparations de guerre. Voilà, on pite à capitale juste par principe. Tu vois, on gagne 2 de dev. Toujours ça de bien, hein, sur la Bourgogne. Et toi, tu vas perdre 6 en développement. Ça te fera mal. Et ça te fera chier surtout. Et ça nous fait peut-être plus de démonstrations de force. Voilà. Un peu plus d'argent. On va. Ouais, bon, on va faire ça, ouais. C'est pas mal. J'espère franchement que ça va passer hein, pour les vassalisations. Oh non, pourquoi il est pas content l'autre? De deux. Oh gros, sérieux. C'est parce que c'est. Je pille la capitale, t'es pas content? Si je te donne une province en plus, t'es quoi de toi? T'es pas quoi de toi? Ouais, mais là je perds de l'argent potentiellement. Ouais, je vais te donner ça. Oh là, ça va, je suis content. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, non, non, c'est mort. Je pille pas la capitale, tant pis. Pour un dev, tant pis. Allez, je pille pas la capitale. Juste des war rep et ta thune. On a une institution à passer autant qu'on la passe. Hein. Oh! Sérieux, tout ça? Bon, bah voilà, il fallait juste gueuler un coup. Ouais, bah c'est quand même mieux de choper quasiment 1000. Donc on libère. C'est bête qu'on puisse pas. Bah si, on pourrait faire le transfert de dépendance. Je pourrais en plus, ouais, on pourrait vassaliser. Ouais, je suis pénible, je sais que vous devez péter un câble, mais bon. De toute façon, il n'y a rien que je puisse légitimer, on est bien d'accord. Non, il n'y a rien que je puisse légitimer. Et en ayant Corinthe ou je sais pas quoi, ça nous permettrait. Bon, allez, on part là-dessus. Donc, on libère l'indépendance du pays va être garantie. L'indépendance de ces pays va être garantie par la Bourgogne pour la durée de la trêve. Très bien. Et puis on verra bien. Allez, go. Et de la thune et des war rep, hein. Rassure-moi un truc. Rassure-moi. 10% de tes revenus pendant 10 ans. Ok. Et toi, tu chopes tout ça, t'es content. Allez, go. Voilà. Voilà, la guerre aura fait mal. Mais je pense que l'Ottoman, il aura pris cher. Là, du coup, on peut faire ça. Coût d'annexion diplomatique et probabilité d'avoir un héritier. Plus. Allez, go. Ah, l'entrée dans l'Empire. Oh. 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 Ah bah voilà, il fallait juste entrer dans l'Empire. Bah oui, ouais. Bah ouais, je veux rentrer dans l'Empire, honnêtement, ça serait vachement mieux pour s'étendre à l'intérieur. Royaume franc, et ça, il faudrait une armée équivalente à celle de la France, c'est jurable. Tu m'aimes bien, Autriche. Ouais, tu me kiffes. Oui, allez, c'est bon. Ouais, ça va. Qu'importe le trône de France. La Bourgogne trouve ses origines en personne qui s'est détourné vers la France en revendiquant le trône de tous les Francs. Je sais ce que se présentent les Français. Oh, nanana.
De ce fait, l'avenir de l'humain au sein de l'humain serait dès lors assuré, peut-être. Oui, bah oui, franchement, ouais. Allez, go. Entrons dans l'Empire. Alors, dis-moi, franchement, je peux te vassaliser ou pas? Ouais, la distance entre la frontière. Il fallait tenter, hein. Rentrons à la maison. Et là, il va falloir développer le pays. Ça pop comment le colon? Oh, bah, ça va. Bah, passe à 40, juste par principe. Voilà. Puis là, maintenant, tu me fais. Et là, maintenant, on peut l'adopter, l'institution. C'est magique. Allez, 400 balles. Emballé, c'est pesé. Voilà. Et on peut la vendre à un de nos potes. Partage de connaissances. On n'a pas de diplomate envoyé. On revient d'Autriche. Autrement, je vais faire. Bah attends, on va voir. Alors, on peut le partager à qui? Qui serait le plus rentable? Là est la question. Bah honnêtement, Bohème, tu me donnerais de l'argent? Ouais, bah, vas-y, go, Bohème. Hop. Parfait. Ça nous fait de l'argent ainsi. Rentrons à la maison. Franchement, j'aimerais bien, franchement. Mais t'es une. Mais oui, on pourrait se. Ouais, on va essayer avec toi. Alors, améliorer les relations. Toi, t'es une république. Non, t'es un roi. Améliorer les relations. Et on va voir ce que ça va donner. Améliorer les relations. Ah, ouais, Ottoman, reviens. Je vais voir ce que je peux faire contre toi. Voler des cartes. Bon. Pas, mais je crois que les cartes. Ah, attendez, on peut vous donner la carte du Maghreb. Ouais, pause les gars. Fortification de Verdun, bien évidemment. Les marchands en difficulté. Du coup, l'incident impérial, c'est quoi? Tout le monde serait pour ou pas? Accueillons la Bourgogne. Ok, qui est contre? Trêve Palatina, Brandebourg. Donc, Brandebourg, si je m'améliore les relations avec toi. T'as pas grand chose. C'est quoi? On va améliorer les relations avec toi. Juste pour que tu nous aimes. Ok. Les particularistes. Bon, on va y aller de toute façon. On pourrait prendre la réputation de A qu'on a déjà, je pense. Bah, très bien. La stab. Intéressante. Amélioration des relations. Légitimité annuelle. Mercantilisme. Ouais, on va voir. On va voir pour ça. Ah! Succession. Ah, waouh. Doucement. Elle s'appelle Marie pour le coup. Alors, oui, je m'aime Marie avec toi. Non, je rentre pas dans une union personnelle de l'Autriche. J'exige rien du tout. Non. Franchement, on va rester comme ça. On peut se battre. La France peut nous déclarer la guerre. On a la Castille avec nous, les gars. Prétendant à quoi? Ok, si tu veux. Elle est plutôt pas mal. On va augmenter la stab. Les prétendants, ils proposeraient quoi? Ouais, c'est pas spécialement ça, ce que je veux. M'en fous. Ok, la France nous a déclaré la guerre. Je pense que ça devrait aller. Alors là, France. Oh, c'est magique. Ok, la France nous déclare. D'accord. Bon, avec l'Autriche dans le mood, plus l'Aragon, plus la Castille. Je suis confiant. Hein? Bon. Allons ici. C'est quoi? C'est prendre la capitale Dijonais. Guerre d'unification française contre la Bourgogne. Hors de question. Et nous sommes dans l'Empire, du coup, si je ne me trompe pas.
Bon, on verra ça plus tard. Bon, c'est pas mal. Guerre contre la France avec tout ce qui va leur tomber dessus, franchement. Alors, je vais juste faire ça et on va terminer l'épisode là-dessus. Moi, ce que je veux... Ok, juste pas me fâcher avec les... nos alliés. Hop, 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 hop. Je veux ça aussi, tant qu'à faire. Ok, toi, tu t'arrêtes, en gros, là. Voilà, voilà. T'en fous de la Bretagne. Eh ben, moi, ça tombe bien, ça m'intéresse. Autriche, tu veux quoi? Ouais, c'est bon, je demande rien de ce que tu veux. Bah, ok. Donc là, on va pouvoir démolir la France. Comme pas deux. On a nos réserves militaires. On a la sanction. On a le gars qui nous fait plus 10% de morale terrestre. Je pense qu'on est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle. Bon, ça... Bon, je vois que les Français sont là. L'Acadie. Là, bah, je l'appelle l'Acadie, pardon. Est-ce que c'est... Franchement, il n'y a pas moyen, vite fait, là. Ah, l'Alliance, ça serait compliqué, hein. Bon, de toute façon, il fallait tenter. J'ai tenté. Et heureusement qu'on n'a pas offusqué les Autrichiens. Comme ça, on rentre vraiment dans l'Empire. Ok, bon, bah, nickel. J'espère, en tout cas, que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à plus, les gens.